Voilà, et un peu plus tôt, vers midi, c'est le bus des amitiés judéo-musulmanes de France qui faisait étape sur la Comédie. Deux communautés qui se sont jointes d'ailleurs à la cérémonie des 500 jours de détention d'Hervé et Stéphane. Depuis 2005, le bus des amitiés judéo-musulmanes sillonne la France une fois par an pour aller à la rencontre du public, dialoguer et lutter contre les préjugés. Des rencontres qui vont durer 3 jours à Montpellier. On écoute le rabbin Michel Serfati au micro de Moad Eliakabi. Cette année, nous travaillons sur 3 jours. Aujourd'hui, sur la place de la Comédie, cet après-midi, dans une mosquée de la Paillade, puis demain avec le festival, et dimanche, toute la journée, au quartier Saint-Martin, avec nos amis musulmans de la mosquée de Saint-Martin, puis le marché, puis la représentation d'un film, et le soir, une présentation d'une pièce de théâtre jouée par des jeunes d'un lycée juif et musulman de Montpellier.